Bon Oblime à tous, ici le Héros de l'Histoire, votre Spartiate dévoué. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour l'exploration du sanctuaire de Delphes dans Assassin's Creed Odyssey. Avant de commencer, quelques mots sur ce fameux sanctuaire. Il s'agit tout d'abord d'un sanctuaire panhellénique. Qu'est-ce que ça veut dire panhellénique Eh bien ça vient de pan, qui veut dire tout, et de hélène, qui désigne les grecs. Donc, un sanctuaire panhellénique, c'est un sanctuaire qui a un rayonnement sur tout le monde grec. Ainsi, le sanctuaire de Delphes est un sanctuaire très important pour les Grecs de l'Antiquité. Alors, pourquoi le sanctuaire de Delphes avait un rayonnement autant important Eh bien, c'est en grande partie grâce à la Pythie. La Pythie, c'est l'oracle d'Apollon. Il faut en effet savoir que le sanctuaire de Delphes est consacré à Apollon. Et la Pythie rendait des oracles au nom d'Apollon. Apollon, Apollon c'est le dieu grec de la beauté, des arts, de la musique, etc. Et c'est aussi un dieu qui est lié à la divination. Et donc, à Delphes les Grecs du monde entier venaient pour entendre l'oracle d'Apollon à travers les paroles de la Pythie. Alors qui est la Pythie Eh bien, c'est une femme qui est choisie pour rendre les oracles d'Apollon. En quelque sorte, selon les croyances grecques, elle servait d'intermédiaire entre le dieu Apollon et les mortels. On venait lui poser une question et la Pythie rendait son oracle. Alors pourquoi la Pythie s'appelait la Pythie Eh bien, cela vient de Python. C'est un serpent mythique qui a été vaincu par Apollon aux alentours de Delphes. Les Jeux Pythiques, aussi appelés Jeux Delphiques, ont aussi un lien avec le rayonnement du sanctuaire d'Apollon de Delphes. Selon la mythologie, les Jeux Pythiques commémorent la victoire d'Apollon contre le serpent Python. Au départ, il s'agissait d'un concours musical. Par la suite, s'ajoutent des épreuves gymniques et hippiques. C'est à partir de 582 avant Jésus-Christ que les jeux pythiques prennent une forme régulière et stable. A partir de là, ils ont lieu tous les 4 ans avec des épreuves musicales, athlétiques et des courses de chevaux donc. Pour la petite anecdote, depuis l'année 2000, il existe des jeux pythiques modernes. Ces jeux pythiques modernes ne reprennent cependant que le côté artistique des jeux pythiques antiques. Voilà pour la petite introduction. Retenez que le sanctuaire de Delphes est consacré à Apollon, qu'il y a la pythie et que c'est un sanctuaire panhellénique. Cela étant dit... Et maintenant que vous savez tout ça sur le sanctuaire de Delphes, c'est parti pour l'exploration. Nous voici donc devant l'entrée du sanctuaire de Delphes. Et pour commencer, on va envoyer Icaros vous montrer donc les lieux tels qu'ils se présentent. Donc voici, on va avoir une vue qui embrasse tout le sanctuaire de Delphes. Je vais essayer de vous montrer l'itinéraire que l'on va suivre. Donc on va commencer par entrer par ici. On va suivre ce chemin. On va essayer de décrire tous les bâtiments et les diverses statues qu'on croisera. Ensuite, arrivé là, on va aller bien jusqu'au bout, c'est-à-dire ici, puis on va remonter par ce chemin. Voilà, et il y aura tout un tas de choses à découvrir, ça va être vraiment passionnant. On va passer par là, on va tout détailler, on ira bien sûr voir le fameux temple d'Apollon qui est juste ici, et puis on ira jusque là, et puis on terminera probablement par le théâtre. Voilà donc. Pour le sanctuaire d'Apollon. Voilà pour tout ce que l'on va faire. Donc à ne pas oublier qu'Assassin's Creed Odyssey reste une fiction, une fiction que l'on peut qualifier de fiction historisante, dans le sens où il y a des éléments effectivement historiques qui sont mélangés à des éléments d'invention. C'est-à-dire que là, quand on va visiter, eh bien on va voir que, je ne vais pas forcément en parler à chaque fois, mais il manque des bâtiments, euh, ou alors il y a des bâtiments qui ne sont pas de la bonne époque, mais qu'on voit tout de même. Mais bon. C'est pas grave, ça n'empêche pas que le travail qui a été fait pour un jeu vidéo, c'est quand même de bonne facture, j'ai envie de dire, et ça permet quand même de se faire une idée, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller visiter le sanctuaire de Delphes en vrai, Eh bien ça permet quand même de se faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler le sanctuaire de Delphes à cette époque là. Évidemment, on ne peut pas demander à un jeu vidéo d'être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un document historique. Mais ça n'empêche pas qu'on peut apprécier le travail d'Ubisoft pour ce qu'il est, c'est-à-dire une offre de divertissement qui allie fiction et éléments historiques. Je disparais, voilà, et on va pouvoir nous pencher sur notre promenade Culture Chill. Donc c'est parti pour notre promenade Culture Chill. Vous devez sans doute le savoir, Ubisoft travaille avec des historiens. Les historiens qui travaillent avec Ubisoft se sont probablement basés sur Posanias. Posanias, c'est un géographe et voyageur ayant vécu entre 115 et 180 après Jésus-Christ, sous l'Empire romain donc. Et euh, ce Posanias nous a livré pas mal de textes qui euh, décrivaient des éléments de l'Antiquité. Voilà et il a notamment décrit le sanctuaire de Delphes. Donc on entre et en entrant tout de suite à droite, nous pouvons voir le taureau de Corcyre qui est censé être en bronze. Là, il a une drôle de couleur, je ne suis pas sûr qu'il soit en bronze, on dirait plutôt qu'il est en marbre, mais ce n'est pas grave. Et donc ce taureau de Corcyre, c'est une offrande des Corcyréens. Donc voilà pour le taureau de Corcyre. Ensuite, sur notre gauche, on a euh, le monument de Miltiade qui a été euh, édifié vers euh, 465 avant Jésus-Christ. Ce monument commémore la bataille de Marathon. Alors la bataille de Marathon, c'est une bataille qui a eu lieu pendant la Première Guerre médique. Euh, en 490 avant Jésus-Christ, les Athéniens et les Platéens se sont battus et ont vaincu les Perses à Marathon. Donc voilà pour le monument de Miltiade. Donc on continue et on approche d'un lieu en forme de demi-cercle. Ici, et ce sont les épigones, ce sont des statues des épigones. Alors, les épigones, ce sont les fils des sept chefs qui ont combattu et péri en combattant contre Thèbes. Selon la mythologie grecque, dix ans plus tard, les fils vinrent assiéger Thèbes pour venger leur père. Donc, voilà pour les statues des épigones. On continue un petit peu plus loin et on arrive vers le trésor de Sicyone. Voilà. Ce bâtiment a été construit dans la première moitié du 6e siècle et pour ce qui est de Sission, c'est une cité du nord du Péloponnèse. Alors puisque nous parlons d'un trésor, je vais vous expliquer ce qu'est un trésor en architecture. Eh bien il s'agit d'un petit édifice religieux comme celui-ci, dans lequel étaient exposées des offrandes faites à un dieu, donc là à savoir à Apollon. Par extension, maintenant on utilise le mot trésor pour désigner le contenu en fait du bâtiment, c'est-à-dire le trésor, ça va être les pièces, les offrandes, etc. Tandis qu'en architecture, le trésor c'est l'édifice, c'est le bâtiment religieux. Voilà, donc on, maintenant que vous savez ce qu'est un trésor, on va pouvoir aller présenter les autres trésors qu'il y a. Donc voici un autre bâtiment, un autre trésor donc, dans le sens architectural. Et celui-ci, c'est le trésor des Siphnies. Il a été construit aux alentours de 525 avant Jésus-Christ. C'est un édifice ionique. Vous pouvez voir, les frises tout en haut sont centriglyphes. Ce qui caractérise ce bâtiment aussi, ce sont les deux cariatides qui font office de colonne, ici. Une cariatide, c'est une statue de femme faisant justement office de colonne, donc comme ici. Voilà. Il y en a aussi sur l'Érectéion, sur l'acropole d'Athènes, j'en parle dans une autre vidéo. Donc voilà pour le trésor des Siphniens. Et maintenant, on va aller juste à côté, juste ici. C'est l'offrande des Cnidiens, aussi connue sous le nom d'offrande des Liparéens. Et cela commémore la victoire navale des Liparéens, colons de Cnide, sur les Étrusques. Maintenant, on va se diriger vers le trésor des Athéniens. Le trésor des Athéniens a été construit vers 490-480 avant Jésus-Christ, et selon Posanias, il commémore la victoire de Marathon. Donc, victoire de Marathon, dont nous avons parlé tout à l'heure, et eh bien ce trésor commémorerait aussi la victoire de Marathon. Donc, voilà pour le trésor des Athéniens. Maintenant, on va juste ici, dans ce bâtiment. Donc, je vous le montre en grand. Voilà, et on va rentrer. C'est le bouleutérion de Delphes. Alors, qu'est-ce qu'un bouleutérion un bouleterion, c'est un bâtiment dans lequel se réunissait la boulée, c'est-à-dire une assemblée restreinte de citoyens chargés des affaires courantes de la cité. Des bouleterions, il y en avait donc ailleurs, c'est pas réservé à Delphes, il y en avait dans d'autres cités antiques, comme par exemple à Athènes. Donc voilà pour le bouleterion. et d'ailleurs on peut voir des citoyens qui sont justement au travail. Donc c'est intéressant de voir ce moment de vie des citoyens dans le bouleterion. On va sortir et on va continuer notre chemin. Il y a ici un rocher, mais ce n'est pas n'importe quel rocher, c'est le rocher de la Sibylle. Au vu de comment il est fait, il semble tout à fait approprié pour pouvoir s'exprimer en public. Cela fait une sorte d'estrade naturelle. Alors pourquoi ce rocher s'appelle rocher de la Sibylle Eh bien, selon la mythologie, c'est sur ce rocher qu'Hérophile d'Érythrée, une Sibylle, aurait rendu ses oracles. Donc, une Sibylle, c'est une femme qui rend des oracles. La différence avec la Pythie, c'est que la Pythie est un statut lié au sanctuaire d'Apollon de Delphes, tandis que la Sibylle, elle, est indépendante. Les deux, en tout cas, sont des prophétesses. Donc, voilà pour le rocher de la Sibylle, un lieu important. Ensuite, juste à côté donc, du rocher de la Sibylle, il y a le portique des Athéniens. Le voici, c'est ce bâtiment, le portique des Athéniens. Il a été construit vers 478 avant Jésus-Christ, après la victoire des Athéniens sur les Perses au cap Mycale et à Sestos. Donc, il est dédié à Apollon et aux Athéniens morts au combat. À l'intérieur est exposé le butin de guerre. Ouais, donc, il y a plusieurs éléments liés au butin de guerre qui a été récupéré euh, pendant la bataille, les batailles contre les Perses. Autre information à propos du portique des Athéniens j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il était de l'ordre ionique. Tandis que là, on peut voir qu'il est de l'ordre dorique. C'est-à-dire que la colonne est caractéristique de l'ordre dorique, c'est-à-dire pas de base et. Un chapiteau sobre, voilà, à échine plate. Et sur la frise, autre caractéristique de l'ordre dorique, il y a des triglyphes qui séparent les métopes. Les métopes, ce sont les ornementations rectangulaires que l'on voit entre chaque triglyphe. Les triglyphes, donc, ce sont les tribles. Donc, dans le jeu, le portique des Athéniens est fait dans l'ordre dorique, alors qu'il devrait être de l'ordre ionique. Donc, voilà pour le portique des Athéniens. Continuons donc notre exploration. Et on va parler maintenant du sphinx qu'il y a au sommet de cette colonne. C'est le sphinx Naxien. Ce sphinx a été construit vers 570-560 avant Jésus-Christ. Alors le sphinx est une créature mythique à tête de femme, comme vous pouvez le voir. Son buste et ses ailes évoquent le buste et les ailes d'un oiseau. Et le sphinx a le corps d'un lion. La colonne sur laquelle a été construit le sphinx a un chapiteau de l'ordre ionique. Vous voyez donc ce chapiteau est caractéristique de l'ordre ionique, c'est-à-dire qu'il est à volute. Tandis que tout à l'heure, on regardait des chapiteaux à échine plate, donc caractéristique de l'ordre dorique, qui est plus sobre que l'ordre ionique voyez la différence entre ce chapiteau ici et le chapiteau là-haut. Voilà donc pour le Sphinx Naxien. On a déjà parlé du portique des Athéniens. Donc on continue notre visite et on va grimper là-haut. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Voilà donc là on est bien situé. Voici l'Apollon de Salamine. Cette statue a été faite en l'honneur de la victoire navale des Grecs et plus particulièrement des Athéniens à Salamine contre les Perses pendant la Seconde Guerre médique. Et c'est une statue en bronze de style archaïque. C'est-à-dire qu'elle paraît un petit peu figée quand on la regarde, la statue, elle ne donne pas d'impression de mouvement, et il y a une jambe en avant et une autre qui est un petit peu en retrait. Juste à côté de l'Apollon de Salamine, il y a le trépied de Platée. Il a été offert par les Grecs coalisés au dieu Apollon à la suite de la victoire sur les Perses à Platée en 479 avant Jésus-Christ. La bataille de Platée, donc, c'est pendant la Seconde Guerre médique et c'est une grande victoire grecque. Juste à côté de l'Apollon de Salamine et du trépied de Platée, il y a le petit trépied de Croton qui est juste ici. Alors j'ai eu du mal à trouver des informations sur ce trépied, et je sais simplement qu'il célèbre la victoire de Croton sur les Sibérites. On continue notre exploration du sanctuaire de Delphes. Parlons maintenant donc de ces deux colonnes et des trépieds qu'il y a dessus. Les trépieds, ce sont les trépieds des Deinoménides. Ils célèbrent la victoire des tyrans de Syracuse sur les Carthaginois à Imer, donc aux alentours de 480 avant Jésus-Christ. La première recherche, les trépieds étaient posés sur des colonnes de bronze. Ils étaient surmontés d'une niquée en or, c'est-à-dire d'une statue de la déesse Victoire, tandis que là les trépieds sont posés sur des colonnes de marbre et il n'y a pas de statue de Niké. Voilà donc pour ces trépieds des déinoménides. Ensuite passons au palmier qu'il y a juste à côté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un palmier naturel. Ce palmier, c'est le palmier de l'eurymédon Il s'agit d'un palmier fait de bronze aux alentours de 465 avant Jésus-Christ, et il célèbre une double victoire navale et terrestre des Grecs contre les Perses près du fleuve Eurymédon vers 466-465 avant Jésus-Christ. Sur le palmier, il devait y avoir une statue d'Athéna en armes avec une chouette. Ici, la statue d'Athéna n'y est pas. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi un palmier Quel rapport avec Apollon Eh bien, Apollon est né sur l'île de Delos. Sa mère, Leto, accoucha d'Apollon et de sa jumelle Artémis sur cette île donc. Et pendant l'accouchement, elle s'accrocha au tronc d'un palmier. Donc voilà pourquoi le choix d'un palmier, probablement. Continuons, donc on ira voir le temple d'Apollon. Juste après, d'abord, je veux vous montrer quelque chose d'autre qui se trouve un petit peu plus haut. Et on garde le temple d'Apollon pour après. Donc maintenant, je vais vous parler de ce bâtiment-là. Il s'agit du lesquet des cnidiens Donc un lesquet, qu'est-ce que c'est C'est un bâtiment qui est dédié aux réunions, à la discussion. Et il pouvait y en avoir dans d'autres cités d'ailleurs. Et ce lesquet des cnidiens à Delphes, était réputé pour les peintures qu'il y avait à l'intérieur. Donc les peintures étaient notamment censées représenter la prise de Troie, donc des, des événements de la guerre de Troie. Là les peintures qu'il y a, j'ai du mal à savoir exactement ce qu'elles représentent. Je n'ai pas l'impression que c'est un rapport avec la guerre de Troie. Donc voilà pour le l'esque des Cnidiens. On va continuer notre promenade culture and chill. Maintenant on va parler de l'orige du sanctuaire de Delphes. Voilà, donc un orige c'est un conducteur de char. Voici donc l'orige est ici et il y a son char attelé à quatre chevaux. Alors, cette statue est faite en bronze. Elle date de l'époque classique, entre 478 et 474 pour sa date de réalisation. Cette statue a été consacrée dans le sanctuaire d'Apollon par Polyxalos. Polyxalos, c'est le tyran d'une cité grecque qui se situe en Sicile. S'il a fait consacrer cette statue, c'est pour célébrer la victoire de son char de course au jeu Pythique dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, voilà pour l'orige de Delphes. Maintenant, Juste derrière l'orige, on va pouvoir passer au temple d'Apollon. Les ruines qui sont visibles aujourd'hui, elles datent du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le jeu se passa en 431 avant Jésus-Christ, a priori il devrait donc être basé sur le temple du 6e siècle et non sur celui du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce temple qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ est dit temple des Alcméonides. C'est un hommage à la famille athénienne des Akméonites qui a financé la reconstruction du temple. Je dis reconstruction parce que ce temple du 6e siècle est déjà construit sur un temple plus vieux qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ et qui avait brûlé. Alors elle commence à faire un peu sombre, on va juste repasser de la nuit au jour. J'ai trop traîné pour vous présenter tout ce que je voulais vous montrer. Et je viens de m'apercevoir qu'il faisait nuit, j'espère que ça ne faisait pas trop longtemps. Donc voilà, c'est le matin, on est reparti. Donc je vous disais pour ce temple, il est de l'ordre dorique on peut le voir hein, les colonnes elles n'ont pas de base elles ont un chapiteau à échine plate sur la frise il y a les triglyphes c'est-à-dire les euh, traits bleus là, les trois traits bleus qui séparent les métopes donc c'est-à-dire les, les petites illustrations les ornementations voilà euh, pour le fronton a priori ça devait pas être ça qui était représenté mais je n'ai pas trouvé d'éléments sur le fronton mais si c'est comme pour les frontons de, euh, du Parthénon à Athènes de, sur l'Acropole d'Athènes euh, Ubisoft ont fait le choix de ne pas reproduire les frontons qu'il y avait exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à propos de ce temple Eh bien c'est un temple exhaustile de 6 colonnes par 15. Si on les compte il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à là-bas au bout. Alors, bien sûr, ce temple était d'une très grande importance dans le sanctuaire de Delphes, puisque c'est un sanctuaire consacré à Apollon et c'est le temple d'Apollon. Et il faut ajouter qu'à l'intérieur de ce temple, il y a l'Adyton. L'Adyton, c'est le lieu sacré où se tenait la Pithy. Malheureusement, nous, on ne peut pas entrer à l'intérieur du temple, les portes sont fermées. Pourtant, dans le jeu, je me souviens d'être déjà rentré, mais là, visiblement, les portes sont fermées. En tout cas, donc, un temple très important, comme je vous le disais. Sur le fronton du temple, donc juste au-dessus de la frise, et il est censé être écrit ⁇ Connais-toi toi-même ⁇ C'est une maxime grecque et malheureusement elle n'est pas visible ici. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos du temple d'Apollon. Et maintenant, juste en face du temple d'Apollon, il y a l'autel d'Apollon. Alors c'est un lieu très important, là encore, puisque c'est sur cet autel que se faisaient les sacrifices. D'ailleurs on peut voir du sang, des animaux juste ici qui ont été sacrifiés. Là, on voit un petit ustensile qui sert euh, au sacrifice. Donc, comme je le disais, un lieu très important, cet hôtel d'Apollon. Enfin, on va terminer par le théâtre qui se trouve au-dessus. Je vais vous le montrer. Voilà, on y est, le théâtre de Delphes. Donc, je rappelle encore une fois que le jeu se passe en 431 avant Jésus-Christ, et ce théâtre date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il n'était pas visible à l'époque où le jeu se déroule. Je suppose qu'Ubisoft a fait le choix... De mettre ce théâtre parce que c'est un monument important de Delphes. là voilà, ils n'ont pas respecté la chronologie, mais c'est quand même sympa de pouvoir le voir, même s'il n'est pas de cette époque. Donc voilà pour le théâtre de Delphes. C'est avec celui-ci que l'on termine notre promenade Culture Shield dans le sanctuaire d'Apollon de Delphes. Donc me revoici, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez apprécié cette promenade Culture shield dans le sanctuaire d'Apollon. Si c'est le cas, eh bien commentez, partagez, likez et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir. Je vous invite aussi à aller découvrir les autres vidéos que je propose sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois, c'était le Héros de l'histoire, pour vous servir.